Alors, je suis très content de revenir à Nantes et de trouver cet auditoire. Je vous remercie. Et je vais commencer par parler de l'amour. Mais d'abord, il faut penser quelles sont les sources de l'amour. Bon, tout d'abord, dans tout être humain, tout individu, nous avons comme deux quasi-logiciels. Bon. Le premier, c'est l'affirmation du « je », le « moi-je ». Ça veut dire « je me mets au centre de mon monde ». Autrement dit, c'est l'égocentrisme. Et l'égocentrisme est quelque chose, évidemment, de vital, puisque nous avons besoin de nous nourrir, de nous défendre, de nous protéger, de gagner notre vie, etc. Bien entendu, l'égocentrisme risque de dégénérer en égoïsme. S'il n'y avait pas l'autre logiciel qui est complémentaire en même temps qu'antagoniste, qui est celui du « nous ». Et le nouveau-né a déjà en lui ce besoin du « nous », du moins de la communion, de la présence de la mère, du bercement, de la caresse, du sourire. Et évidemment, en grandissant de plus en plus, il sera dans le « nous » familial et entrera de plus en plus dans des « nous » plus larges, les amis, l'école, la patrie, le parti, la religion, etc. Donc, nous avons en nous ces deux principes qui sont en complémentaires. Chez certains, le « je » est plus important et sont plus égoïste qu'aimant les autres, d'autres sont plus aimants, moins égocentriques. Et puis, il y a aussi donc le toi qui s'incarne dans des personnes qui font partie du nous, parce que moi et toi, ça forme un nous, et le toi, c'est la mère ou c'est le partenaire du couple, c'est la personne aimée. Alors, cela étant dit, ce principe qui est humain, mais il existe déjà chez nos cousins mammifères, par exemple. Évidemment, ils ne parlent pas, ils ne disent pas « je », mais ils vivent le « je », l'auto-affirmation, et ils vivent aussi la communauté. Et à la racine, il y a ce que l'éthologie animale puis infantile a de plus en plus remarqué et appelé l'attachement. L'attachement chez nos cousins les mammifères, cet attachement très fort entre les mères et les petits, mais vous avez aussi déjà, vous voyez, les poussins qui suivent la poule, c'est un phénomène très général. Sauf chez des espèces où les ovipares pondent des œufs, comme dans les poissons dans la mer, qui sont recouverts par les mâles, mais enfin, chez les animaux évolués, vous avez ce sentiment d'attachement, et je dirais même aussi de chaleur. La chaleur des mammifères, c'est des animaux thermiques, des chauds, et on est serré contre la chaleur de la mer. Et il y a... On voit très bien aussi que nos animaux domestiques qui sont restés dans un certain stade infantile, puisqu'on les nourrit, ils n'ont pas cherché la nourriture, ils n'ont pas acquis, disons, cette réalité adulte qui est de devoir se débrouiller. On voit très bien que ces animaux domestiques sont extrêmement attachés comme nous leur sommes attachés. Et chez des oiseaux, les oiseaux qu'on appelle inséparables, ils ne cessent de se bécoter l'un de l'autre, enfin, on voit tout ça. Donc, il y a une source animale incontestable, et une autre source qui est plus profondément
biologique, qui est l'attraction sexuelle. Et cette attraction sexuelle, elle commence seulement à avoir des restrictions chez les chimpanzés. Par exemple, chez les chimpanzés, le fils devenu adulte ne copule pas avec sa mère. Et alors que la tendance chez d'autres mammifères est, quand l'adulte est séparé de sa mère, il y a cette séparation qui se fait après l'enfance, il peut y avoir des rapports sexuels. Donc, vous avez cette attraction, là aussi, qui va rapprocher deux partenaires, parfois sans conséquence, chez beaucoup d'animaux, et parfois en créant des couples plus ou moins durables. Et donc, vous avez dans ce problème qui relève de l'union dans la séparation, c'est-à-dire on est séparé, mais on s'unit. On s'unit dans l'attachement, on s'unit dans l'acte sexuel, on se resépare et on se réunit. Dans le fond, c'est ceci qui est à la source, évidemment, de l'amour, et où, dans le fond, se manifestent les deux forces de la nature, puisque dans notre univers physique, il y a d'un côté les forces associatives qui font que les particules s'unissent pour former des atomes, les atomes s'unissent pour former des molécules, les ensembles, des masses moléculaires ou atomiques se concentrent sous la gravitation pour former des étoiles, et donc vous avez cette force d'union, et vous avez aussi la force de séparation, de désintégration, qui se traduit dans le deuxième principe de la thermodynamique, où tout se dégrade, où tout se détruit, où tout se disperse. Alors la différence, c'est que avec l'humanité, il y a une permanence de la relation entre la mère, la père, et même je dirais même l'apparition du père conscient qu'il est l'auteur de l'enfant, et les enfants, et les frères et sœurs. Alors que, dans le fond, tout ceci disparaît dans l'âge adulte chez les autres animaux. Et vous avez aussi, dans l'espèce humaine, la permanence de l'attraction sexuelle, alors que dans beaucoup d'animaux, le lien sexuel s'opère pendant la saison des amours et cesse de se manifester après. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans la plupart des, y compris nos frères, les chimpanzés, l'accouplement se fait à tergo, c'est-à-dire par derrière, sauf chez les bonobos, où il se fait face à face, mais c'est l'exception, ce sont les plus proches des humains, alors que dans l'humanité, comme, disons, l'a montré d'une façon très amusante, la guerre du feu, où deux amoureux font l'amour face à face pour la première fois et découvrent la face. C'est-à-dire que le visage va jouer un rôle très important dans l'amour humain. Alors, l'humain, bon, vous savez qu'on appelle Homo sapiens l'homme doté de raison, notre espèce. Mais moi, j'ai depuis longtemps proposé de l'appeler Homo sapiens des mains. C'est de penser que d'un côté, la raison est une polarité, mais d'autre côté, le délire, la folie est l'autre polarité. Et la folie n'est pas seulement le propre des personnes que l'on déclare officiellement fous et que l'on met dans des asiles. La folie apparaît dans nos colères, elle apparaît dans ce que les Grecs appelaient hubris, la démesure des conquérants, comme Hitler. La folie, elle peut apparaître dans une passion incontrôlée et peut que conduire au meurtre, au suicide. Donc, nous vivons entre ces deux polarités. Et entre ces deux,
et dans l'une et l'autre, vous avez ce qu'on appelle l'affectivité, le sentiment. Les travaux de Jean Didier Vincent, comme de Antonio Damasio, à travers les imageries cérébrales, ont montré que les actes les plus rationnels mobilisent des centres émotionnels du cerveau. C'est-à-dire que le mathématicien, eh bien, pour lui, il a la passion des mathématiques, et ce qui fait que son cerveau ne fonctionne pas d'une façon uniquement froide et logique, mais aussi avec de la passion. Alors, ce phénomène de l'affectivité que vous trouvez même dans la raison, que vous trouvez même dans la folie, bien entendu, entre les deux, il y a quelque chose où la raison et la passion se mêlent. Et dans le fond, la seule façon de vivre pleinement une passion, sans sombrer dans le délire, c'est qu'il y ait en permanence un contrôle, une dialectique entre raison, contrôle rationnel, et la passion, le sentiment. Alors, voilà donc dans notre statut humain, le rôle de l'affectivité est omniprésent, et vivre, c'est ressentir, c'est aimer, c'est rire, c'est souffrir, c'est parfois haïr. Il y a toujours l'affectivité, mais on peut dire même que la haine est une forme de délire. Socrate disait que le sage ne hait pas, il est incapable de haine. Donc, vous avez donc Sapiens et Demens, et vous avez donc que l'amour va se situer quelque part, mais plutôt du côté, évidemment, de la passion, mais risquant de sombrer dans les délires, s'il n'y a pas cette petite veilleuse qui est la rationalité. Alors, on a aussi défini l'humain comme homo faber, c'est-à-dire qui fabrique des outils. Et c'est évident que depuis les outils de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, nos machines, nos ordinateurs, nos fusées, les plus sophistiquées, il est évident qu'un des traits fondamentaux de l'homme, c'est ce côté faber, technicien. Le développement de la technique est lié à la science et le phénomène énorme des temps modernes. Mais en même temps, cet homme pratique, qui travaille l'outil, est un être qui est religieux ou vit avec des mythes. Et cela apparaît dès la préhistoire, dès Néandertal, qui est notre proche parent, très proche. Les morts sont enterrés avec leur nourriture et avec leurs armes, ce qui semble indiquer évidemment qu'ils ont une vie après la mort. Ou bien ils sont dans une position recroquevillée de fœtus pour indiquer qu'ils vont renaître sous une autre forme. Et il n'est pas de société humaine, y compris les plus techniques, comme les États-Unis, où justement la religion est beaucoup plus importante que dans des pays comme la France, qui est moins évoluée techniquement. Vous avez le rôle de la religion, et tout au long de l'histoire humaine, ce qu'on peut appeler des mythes, des croyances surnaturelles, mais auxquelles nous croyons fermement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que une communauté humaine produit des dieux, mais ces dieux, une fois qu'ils sont produits, ils deviennent comme s'ils étaient autonomes, plus encore, comme s'ils étaient maîtres de nous. Ils nous dominent, ils nous terrorisent, ils nous demandent à les prier, ils demandent à faire des sacrifices pour eux, ils nous donnent des ordres. Donc, vous avez cette particularité aussi étrange de l'être humain,
c'est la capacité de diviniser et de mythifier. Et nous verrons que dans l'amour aussi se développe ce quelque chose qui est proche de la divinisation, bien qu'il s'agisse d'une personne mortelle, de la vénération, de l'adoration. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que cette tendance à produire des mythes à tour de personnages qui n'existent pas, que nous avons produits, des déités, des génies, des esprits, cette capacité dans l'amour entre individus va pouvoir se fixer sur un autre, sur la personne que nous aimons. Et enfin, on définit l'homme comme l'homo economicus, c'est-à-dire l'être, ça c'est assez récent, c'est depuis le XVIIIe siècle, et l'être qui se détermine par son intérêt matériel, mais il y a aussi, comme l'avait noté Huizinga dans son livre Homo Ludens, l'homme du jeu, il y a la capacité de jouer, de dépenser, de se dépenser, de se consumer, comme dirait Georges Bataille, et cette capacité est l'antagoniste de l'intérêt personnel. Et là aussi, cet amour du jeu que nous gardons à l'état adulte, en regardant les matchs de football, en jouant aux courses, enfin, de mille façons, en jouant au tennis ou en jouant à ce que vous voulez, aux cartes, eh bien, ces jeux ne sont pas seulement enfantins, ils gardent et restent à l'état adulte, et il y a les jeux amoureux. Là aussi, les amoureux adorent jouer l'un avec l'autre. Donc, vous voyez que dans les traits constitutifs de l'individu humain, il y a les éléments qui vont jouer un rôle important dans l'amour de couple. Et on peut dire que si nous pensons que l'amour a une source biologique et une source, je dirais, plus proprement culturelle, psychologique, il y a en quelque sorte l'union, la symbiose entre ces deux sources, entre deux sources d'extase, l'extase physique du coït qui s'accomplit et l'extase mystique de l'amour adorant pour l'être que l'on aime. Alors, ceci dit, cet amour-là, il subit des règles et des contraintes sociales. On peut dire que dès les origines de l'humanité et du langage lié, bien entendu, et il y a des règles fondamentales qui sont des règles de la parenté, des règles qui fixent le mariage. Et vous savez que le mariage doit être en deux gommes, doit être, disons, exogame, dans le sens ne pas être entre père et fille ou mère et fils, bien entendu. Il y a la prohibition de l'inceste, prohibition qui, dans certaines cultures, s'étend aux cousins germains. Et vous avez effectivement la règle qui indique que telle personne doit se marier avec telle autre personne d'un autre clan ou plus tard d'une même famille, d'une même caste que soit, d'une même catégorie sociale que ce soit. Et donc l'amour qui est trop endogame devient inceste et c'est interdit. Et l'amour qui est trop exogame devient transgressif parce qu'on va aimer quelqu'un qui n'est pas de notre groupe, quelqu'un qui n'est pas de notre culture, quelqu'un qui est d'une autre race, quelqu'un qui est d'une famille ennemie,
quelqu'un, c'est Roméo et Juliette. Bon. Et donc, mais on peut dire que si les règles du mariage sont fixes pendant très longtemps dans beaucoup de civilisations, il n'y a que chez nous que maintenant le mariage par amour est un mariage devenu extrêmement courant. Mais si les règles du mariage sont fixes, vous avez la transgression qui est évidemment l'adultère. Et alors, on peut dire que l'amour, vraiment, est enfant de Bohème. Bon, pas toujours, mais vous avez l'amour qui peut se porter hors mariage, qui peut se porter hors tribu, qui peut se porter hors culture. Et disons, l'amour, dans un sens, transgresse les lois sociales. Le maître est amoureux de son esclave, comme par exemple le fazendeiro au brésilien avec l'esclave, une esclave noire, ou vice-versa, et ou le bourgeois français avec la bonne. Bon. Donc, si vous voulez, vous avez ce côté propre de l'amour qui, lui, n'obéit pas à la loi, de moins par principe. Le phénomène de l'attraction est un phénomène extrêmement mystérieux. C'est pas seulement le désir que suscite particulièrement telle ou telle femme pour un homme, ou tel homme pour une femme, ou tel homme pour l'homosexuel, ou telle femme pour la lesbienne. Non, c'est pas seulement le côté physique, mais on va trouver dans le regard, dans le sourire, dans l'expression des visages, quelque chose qui brusquement vous touche, vous fascine et provoque ce qu'on appelle le coup de foudre, du moins l'émotion première qui va déclencher l'amour. Et justement, on voit très bien dans le livre de Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, qui parle de l'amour courtois au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'amour platonique du chevalier pour la dame qu'il vénère, eh bien, cet amour courtois et l'amour sentiment est un amour sentiment spiritualisé et qui va s'opposer à l'amour bestial, c'est-à-dire qui va obéir au seul désir, au désir halluciné. Et dans le fond, je crois que le christianisme favorise cette disjonction d'un côté avec une image de vierge extrêmement pure, c'est-à-dire de femme qui n'a pas été souillée par le sexe, et disons la prostituée qui est l'objet que l'on peut manipuler pour satisfaire son désir. Et donc c'est la part maudite de l'amour, cette part purement sexuelle, et la part élevée qui va rester spirituelle. Et évidemment, il y a l'amour accompli dans sa totalité et celui qui peut être à la fois l'amour sublime, l'amour mystique et l'amour physique, où les deux vont se rencontrer de façon durable. Alors, d'ailleurs, on voit très bien un véritable amour se vérifier après le coït. Parce que vous savez que l'adage dit « homo triste post coitum », l'homme est triste après le coït. Il est triste, évidemment, parce que le désir est assouvi et la personne à côté lui est étrangère. Il n'a rien de commun avec elle. Mais quand on aime, l'homme n'est pas triste et la femme n'est pas triste après le coït. Au contraire, ils sont gays, ils sont heureux parce qu'ils ont fait un acte qui les a unis un peu plus fortement l'un et l'autre. Alors ici, je vais vous parler à partir d'un
d'un très beau livre du sociologue italien Franco Alberoni, qui s'appelle « Enamoramento e amore ». En français, ça a été très mal traduit sous le titre du choc amoureux, parce que « enamoramento », disons, il n'y a pas de mot en français, mais disons « l'énamourement », c'est-à-dire l'amour à l'état naissant. Alors, et évidemment, il dit que l'amour à l'état naissant est une chose merveilleuse, ne serait-ce parce qu'elle consiste dans l'émerveillement, l'amour, l'autre, est une source de poésie pour soi-même. Et cet amour à l'état naissant, évidemment, va pouvoir durer un certain temps et puis s'atténuer. Et faire place à un amour plus solide, mais qui va perdre quelque chose de son exaltation. Et alors donc, le rêve, ce qui est souhaitable, c'est la régénération permanente de l'état naissant. Et cela, on peut le vérifier avec cette idée de voir dans l'autre une source de poésie. Si on voit que l'autre est une source de poésie, c'est-à-dire, je le répète, d'émerveillement, de joie, d'enchantement, alors l'amour persiste, même si la relation physique s'est atténuée ou même a cessé. Mais dès que l'autre n'est plus une source de poésie, alors il y a une dégradation. Il peut se transformer en une certaine amitié ou bien se dégrader en pure habitude. Alors donc, l'amour, le problème, c'est de la régénération de l'état naissant de façon durable, et je le répète, avec cette idée de poésie permanente qui apparaît dans le visage de l'autre. Et alors, venons-en au visage. Le visage est quelque chose d'étonnant, puisque déjà le regard est quelque chose qui nous frappe. Le python peut fasciner par le regard d'oiseau. Il y a des regards qui exercent sur vous une quasi-fascination. Et donc, le regard est très, très important. Mais il y a aussi la bouche. Et la bouche, alors, devient... Cette bouche, c'est un organe absolument polyvalent, évidemment. Ça nous sert à manger, ça nous sert aussi à respirer, ça nous sert à sourire, et ça nous sert à baiser, au baiser. Et ce qu'il y a de... Alors, c'est l'union, là aussi, de quelque chose de mystique, de mythologique, et quelque chose de physique. Pourquoi ? Parce que non seulement, disons, le baiser sur la bouche, c'était un baiser qui a un caractère sexuel secondaire, n'est-ce pas, avec les langues qui se rencontrent, un côté érotique, dans le sens physique du terme, mais c'est au côté un aspect mystique, parce que dans les sociétés archaïques, dans beaucoup de sociétés, y compris dans la grecque antique, le souffle, ce qui sort de la bouche, est identifié à l'âme. En disant que l'âme s'exprime dans le souffle. Et donc, si vous avez une rencontre de baiser sur la bouche, ce n'est pas seulement la rencontre de deux corps, de deux bouches, de deux chairs, buccales et linguales, c'est aussi la rencontre symbolique de deux âmes. Et je pense que c'est pour ça que ce baiser sur la bouche s'est tellement répandu par son côté absolument
Bivalon. Et on peut dire que le cinéma, avec le gros plan, rend très forte la fascination des visages, notamment, évidemment, des visages de stars. Donc, le complexe d'amour, c'est quelque chose qui unit, bien entendu, le physique, mais aussi le mystique, le mythique, le religieux, et qui peut atteindre le sacré. On peut dire que dans le monde moderne, il y a une religion de l'amour, et il y a aussi une tragédie de l'amour, puisque les amours deviennent de plus en plus fragiles dans le temps, au fur et à mesure des rencontres. Rapidement, une liaison va s'atténuer, s'affaiblir, son intensité, et va être remplacée par une autre liaison ou un autre mariage. C'est-à-dire que nous avons une errance de l'amour qui est liée à une recherche permanente et quelque chose qui fuit toujours. Disons, le symbole de tout ceci est Don Juan. Don Juan, ce n'est pas seulement le coureur, le frivole, qui veut coucher avec toutes les femmes qu'il rencontre, hein, y compris la petite et la grande. C'est celui qui est à la recherche de l'absolu dans l'amour et qui ne le trouve jamais. Et il court après l'amour, sans jamais le trouver. Et dans le fond, nous sommes dans une époque où il y a, disons, un donjuanisme généralisé. C'est une recherche de l'amour, mais qui parfois, heureusement, peut se stabiliser. Et alors, je dirais que l'amour, c'est le comble de l'union entre la raison et la folie. Car, si vous voulez, l'amour est la chose la plus raisonnable qui soit, c'est-à-dire l'attachement profond entre deux êtres, et en même temps, qui en même temps peut être notre vérité la plus profonde, et en même temps, c'est quelque chose qui, effectivement, tend au délire, et qui est susceptible de maladies spécifiques à lui. Alors, quelles sont les maladies de l'amour? Ben, tout d'abord, c'est l'aveuglement. Parce que ce qu'il y a de très curieux dans l'amour, il peut être extra-lucide, c'est-à-dire découvrir chez une personne qu'on aime des vertus qui ne sont pas apparentes, parce que cette personne est secrète, cette personne n'est pas quelqu'un qui exhibe sa vraie nature, mais l'extra-lucidité de l'amour découvre des qualités cachées ou gardées d'un être qui, à ce moment-là, devient merveilleux. Donc l'amour peut être extra-lucide, mais l'amour peut être complètement aveugle, c'est-à-dire c'est la passion qui n'est pas contrôlée par la raison. Bien entendu, ce qui peut se passer, c'est que chacun d'entre nous, quand on fait une rencontre d'une personne qui vous plaît, qui vous séduit, et vice-versa, et réciproquement, alors on tente à montrer sa belle face, c'est-à-dire la face éclairée de la lune, la face lumineuse, la face charmante. Mais derrière, il y a la face obscure de la lune. Et quand on se met en couple et quand on commence à se connaître, on commence à connaître la face obscure de la lune. Mais alors on peut être très déçu, mais on doit savoir aussi que, comme on dit, que nul n'est absolument parfait, que chacun peut avoir ses humeurs différentes, ce qu'aujourd'hui on appelle la bipolarité, qu'on appelait avant le syndrome maniaco-dépressif, donc que chacun a ses petits défauts, ses petites manies, ses choses. Et donc, à ce moment-là, on doit intégrer le sens des imperfections qui peuvent exister dans l'être humain, dans les qualités aussi qu'il peut manifester.
Donc, si vous voulez, l'amour ne doit pas perdre la lucidité, mais doit garder la justification de sa passion. Oui, j'ai raison de l'aimer parce que c'est la personne qui me convient, qui me comprend, que je comprends, etc. L'autre maladie de l'amour, c'est la possessivité. C'est de vouloir transformer l'autre en son objet et à ce moment-là, penser qu'on en est le propriétaire et que cette possessivité va se traduire par des jalousies. Et vous savez que les jalousies peuvent être absolument maniaques et délirantes, par se traduire par une surveillance abominable. Et ça, c'est ce que, évidemment, des éléments pathologiques et destructeurs de l'amour, alors que la vraie santé de l'amour, c'est dans l'oblativité réciproque. Oblativité, c'est-à-dire capacité de donner réciproquement à l'autre. Et c'est ça qui fait le lien. Le lien, le fait qu'on donne toujours l'un à l'autre, l'autre à l'un. Maintenant, l'amour est évidemment, dès qu'on le rencontre au début, est toujours un pari. On engage sa vie dans une vie avec autrui. Et vous savez très bien qu'on fait un pari sur la vie et que quand l'autre qu'on aime meurt, on est dans un état de désespoir. Donc, l'amour, c'est toujours le beau risque à courir. C'est pas seulement la mort, mais l'autre, au bout de quelques années, peut se déprendre à vous, se déprendre de vous. Il y a ce qu'on appelle le désamour qui peut arriver et qu'on tend toujours à rendre l'autre coupable. « Ah, tu ne m'aimes plus !» Comme si c'était un crime. Mais si le pauvre ou la pauvre n'aime plus, ben, ce n'est pas de sa faute. Et si en plus le pauvre ou la pauvre se met à aimer quelqu'un d'autre, et c'est comme ça. Mais là, c'est une chose, évidemment, qui montre que nous courons un risque. Nous ne sommes plus dans la permanence où, qui liait autrefois l'un à l'autre, le mari à la femme, et qui liait l'un à l'autre, même sans amour, et peut-être encore plus fort quand il n'y avait pas d'amour, puisque dès le début, l'amour était exclu. Donc, voilà, c'est un risque, et c'est le beau risque à courir. Je prends cette formule, qui est la formule de Platon, qui, parlant de l'immortalité de l'âme, disant, c'est un beau risque à courir, l'amour, c'est un beau risque à courir, parce que l'amour nous révèle notre vérité personnel, que la part fondamentale de notre vérité personnelle est apportée par l'autre. Alors, je termine cette chose sur l'amour par une citation d'une chanson de Édith Piaf, qui est dans la Goualante du pauvre Jean, hein, qui dit: qu'on soit riche ou sans le sou, sans amour, on n'est rien du tout. Alors, poésie. J'ai dit tout à l'heure que la poésie était quelque chose de fondamental dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie peut être considérée non seulement comme, disons, la dualité entre Homo sapiens, Homo demens, Homo faber, Homo mythologicus, Homo economicus, Homo ludens, mais aussi entre le pôle de la prose et de la poésie. Qu'est-ce que c'est que la prose? Ben, la prose de la vie, c'est ce que nous sommes obligés de faire pour survivre, c'est-à-dire pour gagner la vie, les choses que nous faisons sous la contrainte ou que nous faisons sans plaisir dans beaucoup de métiers qui sont des métiers d'aliénation, d'asservissement, parfois d'humiliation. Et la poésie de la vie, c'est effectivement tout ce qui donne un sentiment d'exaltation, de communion. Et il y a des métiers aussi qui vous donnent la poésie, le métier d'artiste, le métier d'art, même si on souffre dans la gestion de l'œuvre, on éprouve une joie à l'accomplir. Et
des métiers d'artistes, d'acteurs de théâtre, etc. Donc, il y a ces deux aspects de la vie, et on peut dire que le problème de notre, je viendrai de notre civilisation moderne, c'est un déferlement de prose sur nos vies. Mais avant d'en venir, je voudrais dire ceci, c'est que dès l'apparition du langage, je pense dès l'humanité archaïque, on ne peut pas dater l'apparition du langage, si c'est fait chez Néandertal ou peut-être déjà chez Homo erectus, c'est-à-dire notre langage à nous à double articulation, c'est-à-dire où les syllabes deviennent des parties constitutives d'un mot. Les syllabes n'ont pas de sens, mais le mot lui-même, composé de phonèmes, a un sens. C'est un langage donc extrêmement complexe, mais qui existe dans toutes les sociétés, même celle qui nous semble le plus arriérée, celle que nous avons connue les plus arriérées, était dotée du langage. Et aujourd'hui, on peut dire que dès qu'il y a eu, par exemple, la navigation, et qui est très très ancienne, puisqu'il y a eu les îles de l'Océanie et l'Australie ont été peuplées il y a très longtemps dans la préhistoire, on peut dire que la navigation supposait le langage, c'est-à-dire la parole pour désigner les travaux, les outils, la parole pour désigner le cap et atteindre, etc. Donc, si vous voulez, le langage, notre langage est très ancien. Et dès le début, il y a deux langages qui sont du reste absolument associés. Il y a le langage qu'on peut appeler de la dénotation, qui désigne les choses, les objets. Ceci est une table, ceci est un chat, ceci est une pelle, une pioche. Et vous avez le langage de l'analogie, de la métaphore, qui parle par symbole et qui reste aujourd'hui souvent dans notre langage courant, comme Pierre qui roule, l'impasse pas mousse, ou d'autres proverbes, paroles que nous disons spontanément en oubliant qu'elles portent en elles des métaphores, même ne serait-ce que le soleil se lève ou le soleil se couche, etc. Alors à l'origine, ces deux langages sont étroitement liés, et je dirais même la poésie, c'est pas seulement dans ce langage, il va s'accompagner de chants, de danse. Et vous savez que dans les sociétés archaïques, chant, danse, rythme, la préparation des travaux, quand il s'agit de se préparer au combat ou de se préparer à la chasse, ou de se préparer à la cueillette, il y a des rites, des chants et des danses, tout ceci est intimement mêlé. Et ce sont dans nos sociétés de plus en plus modernes, qu'on appelle civilisé, dans les sociétés avec État, avec classe sociale, que se séparent les deux langages. Il y a le langage courant et le langage qui est le langage de la poésie, de la littérature, et qui, effectivement, nous réjouit. De même que dans la vie, le pôle de la prose va se développer en nous. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir du début du XXe siècle, va se développer notre civilisation technique, industrielle, la machine à vapeur. Le développement du capitalisme, de la marchandise, de l'argent, du rôle de l'argent. Et contre cet aspect, disons, de plus en plus prosaïque de la vie, il va y avoir deux révolutions poétiques. La première révolution, c'est le romantisme. Le romantisme qui est en Allemagne, en Angleterre, en France, et puis en Russie avec Pushkin. Vous avez cette explosion, c'est surtout chez des adolescents, des jeunes gens, qui par réaction à ce monde de plus en plus lié au pouvoir technique, matériel, à l'économie,
bon, vouloir exprimer l'aspect poétique de la vie dans leurs poèmes, dans leur nostalgie, dans leur musique. Il n'y a pas seulement la poésie romantique, il y a la musique romantique, il y a la musique de l'affectivité, la musique de l'âme, la musique du sentiment, la musique de l'amour, la musique de la nostalgie. Et la deuxième révolution, ça va être celle du surréalisme. Alors le surréalisme va être tout à fait conscient que la poésie n'est pas seulement quelque chose qui se trouve dans les textes poétiques, ou même dans la prose poétique, comme des poèmes en prose, comme en a fait Baudelaire, mais que la poésie doit être vécue dans la vie quotidienne, que la capacité à s'émerveiller, à s'étonner, à aimer, c'est pour ça que les surréalistes ont donné à l'amour une place suprême dans leur conception, et que vous voyez s'exprimer par Breton, comme par Aragon, avec ses poèmes pour Elsa. Vous avez donc cette révolution surréaliste, et si vous voulez, moi, ce que j'exprime ici, c'est une prolongation de cette idée surréaliste que la poésie doit être vécue et pas seulement récitée ou écrite. Alors, il y a la phrase du poète allemand romantique Hölderlin qui dit « Poétiquement, l'homme habite la terre ». C'est vrai, mais il habite aussi prosaïquement. Autrement dit, l'homme, l'être humain, devrait habiter poétiquement. On ne peut pas éliminer tout à fait la prose. Mais s'il y a un problème qui, même, j'ajoute, peut avoir un aspect social et politique même, c'est de vouloir, pas seulement pour ceux qui souffrent de la misère, de l'humiliation, de la pauvreté, qu'ils aient un autre niveau de vie matérielle, il faut qu'ils puissent accéder à ces états politiques. D'ailleurs, beaucoup y accèdent. J'ai vu l'autre jour la personne qui s'occupe de l'Arche, c'est-à-dire cette association au service des handicapés, où beaucoup d'handicapés qui semblent frappés à jamais par leur handicap, mais ne cesse que par la capacité de communiquer, de communier, par le fait qu'ils ont affaire à des gens qui les respectent, qui les reconnaissent, car vous savez que le mot de reconnaissance est capital. Être reconnu par autrui, c'est une chose qui se manifeste dès le bonjour que l'on donne à quelqu'un que l'on salue. Monsieur, madame, ce sont des actes minimes, mais nous avons besoin d'une pleine reconnaissance. Alors, il dit que chez les handicapés dont s'occupe cette association, évidemment, il y a aussi des moments de joie, des moments d'amour, des moments de bonheur. Et donc, c'est pour dire que la chose est importante, mais il est évident que, et on peut dire aussi que dans des sociétés qui se trouvent pauvres par rapport à nous, comme des sociétés de Touareg, des sociétés encore archaïques, dans moins, celles qui sont préservées de l'invasion de la soi-disant civilisation, il y a encore, disons, des qualités poétiques dans la solidarité, la communion, la chant, la danse, etc. Mais nous, nous sommes victimes d'une invasion de prose. Nous sommes victimes d'une invasion de prose sous sa forme du reste la pire, c'est-à-dire sous sa forme économique et sous sa forme quantitative. On est de plus en plus où tout devient chiffré, tout devient quantifié, on évalue, on met des notes, on veut la compétitivité, on chiffre le niveau de vie par le PIB. D'autant plus que la politique aujourd'hui, elle s'est dissoute, elle s'est désintégrée au sein de l'économie. On dit à la croissance, à le PIB, à la compétitivité, on ne voit que ces choses-là qui sont que quantitatives, mais on oublie complètement les êtres humains. D'ailleurs, le calcul ignore tout ce qui fait l'humanité, ignore nos sentiments, ignore nos amours, ignore nos désamours, ignore nos chagrins. Et il donne quelques indications, mais absolument insuffisantes. Et si vous voulez quantifier l'amour, alors vous allez trouver une unité de mesure que vous allez appeler le Cupidon. Et vous allez avoir quelqu'un qui va faire sa déclaration d'amour. « Mademoiselle, mais mon amour, je peux l'estimer à 10 000 Cupidons, et le vôtre. » C'est absolument absurde.
Vous voyez, donc, on peut penser que là aussi, nous devons résister à cette quantification, de même que nous devons résister à cette domination de la chose qui n'a que des chiffres pour la nommer l'argent, la domination de la spéculation financière, du capitalisme financier. Toutes ces choses-là sont liées pour nous prosaïser la vie, pour nous enfermer dans la prose. Et du reste, on résiste dans les bonnes bouffes entre amis, on résiste dans les bons repas de famille, on résiste, les jeunes résistent quand ils font leur fête, quand ils font leur partie, même en utilisant quelques drogues. On résiste individuellement, on résiste par petit groupe, et il faudrait qu'on résiste d'une façon encore plus grande. Et donc, là-dessus, il est certain que la résistance de la poésie était inséparable de la résistance de l'amour, qui est la vérité la plus profonde de notre vie. Voilà. Et si vous voulez, je vais terminer à la demande de mon ami Pargéas, qui m'avait demandé une poésie. Mais j'aurais voulu vous réciter une des nuits de Musset, mais je ne l'ai pas entièrement en tête. J'aime beaucoup ce passage merveilleux. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul n'a pas vécu tant qu'il n'a pas souffert. Donc je vais vous dire, en chantant très mal, le pauvre Rudebeuf de Rudebeuf, qui a été mis en musique par Léo Ferré avec une petite adaptation. Alors vous allez excuser la voix, la mauvaise voix, mais le sentiment y est. Alors c'est « Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus ?» Et tant aimés, ils ont été trop dispersés, le vent d'hiver les a chassés, l'amour est morte, ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. Merci. J'ajoute que Edgar connaît des dizaines et des dizaines de chansons par cœur et qu'il les chante, je le sais. Et c'est vrai. Et qu'il les chante avec le même amour que ce qu'il vient de nous offrir. Mais Edgar Morel nous a pas beaucoup parlé de sagesse. Ah, la sagesse. Oui. Tu vas peut-être nous dire, vous pouvez peut-être nous dire un mot de la sagesse avant que je ne m'adresse à la salle pour poser des questions et que je passe le micro au doigt qui se lève. Une seule. Sur la sagesse. Tu peux nous dire un mot sur la sagesse ? Sur la sagesse. La sagesse. Ah, qui est le troisième volet. Donc, un mot pour la sagesse. D'accord. Mais, si vous voulez, pour moi, c'est déjà implicite dans ce que j'ai dit, parce que la sagesse ne peut pas se limiter à une vie raisonnable. Et une vie qui ne serait que raisonnable serait absolument folle, parce que ça serait une vie de précaution. Il faudra faire attention à son alimentation, ne manger que des choses saines. Il faudrait faire attention quand on sort. Il faudrait faire attention à tout. Il faudrait... Non. Et puis, c'est une vie privée de sentiments, c'est d'ailleurs privée d'humanité. Donc, à mon avis, la sagesse, c'est l'union de la sagesse et de la raison et de la folie. Mais je veux dire que la vraie sagesse, c'est que ne jamais abandonner cette petite veilleuse de la raison critique, de la raison qui soupèse les choses, de la capacité de scepticisme et de l'affectivité, de l'amour, de la passion. Il est évident que rien de grand ne peut se faire sans passion. Donc, à mon avis, une sagesse moderne, c'est une sagesse qui adhère à la vie et non pas se retire. Mais je comprends très bien qu'il y ait des sagesses de retrait, des moines pas seulement chrétiens, les moines bouddhistes, dans différentes religions. Je comprends très bien une sagesse, disons,
de séparation et de pure méditation, mais si vous voulez, c'est un retrait, mais qui en même temps est un retrait de la vie. Vous avez d'autres sagesses qui consistent à être oblative, comme Mère Teresa, comme d'autres, etc. Vous avez une sagesse qui consiste à avoir comprendre quelque chose de profond. Regardez, Mandela, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire chez cet homme-là ? C'est que, dans notre époque, où les mouvements d'émancipation des peuples dominés et opprimés prend une forme de séparation par rapport à ceux qui les oppriment et les dominent. Et vous avez vu ça avec aussi bien l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire soviétique, vous avez même une guerre entre Azerbaïdjan et Arménie, et vous avez aussi la Yougoslavie qui s'est disloquée, et vous avez la Tchécoslovaquie aussi, et vous avez tous ces mouvements séparatistes au Soudan et ailleurs, etc. Parce que le rêve de dominer par une autre ethnie ou une autre religion, c'est pas... Or, lui, il a eu la sagesse, l'intelligence de comprendre qu'il fallait non pas séparer, mais maintenir, c'est-à-dire dominer par la magnanimité, alors que la plupart des membres de son parti étaient contre cette magnanimité, mais par cette magnanimité nécessaire, l'union dans ce qu'il appelait la nation arc-en-ciel. Et c'est le cas historique, unique, où en effet, il y a eu l'apartheid, il y a eu tout ce mépris, tout ce dont étaient victimes les Africains noirs, et qu'il a pu dominer. Et pourquoi ? Là aussi, il ne faut pas oublier, parce que dans cet hommage universel qu'on lui rend, bien entendu, il y a l'hommage sincère, l'hommage du cœur qui vient de gens de tous les pays, de toute la planète, qui voient en lui cette personne merveilleuse qui a supporté tant la prison et qui a fait montrer cette noblesse. Mais vous avez aussi un hommage hypocrite de ceux qui, au contraire, n'ont jamais fait attention à lui quand il était en prison, n'ont jamais rien fait contre l'apartheid, à commencer en France. Et voilà que aussitôt M. Bush et autres ont beau rendre hommage à Mandela. Donc, si vous voulez, mais pour revenir à cet homme-là, c'est un homme donc qui a acquis cette sagesse de la raison liée à l'humanisme. Et alors, il ne faut pas oublier que là aussi, il y a une source dans cet humanisme. Mandela était communiste, c'est-à-dire il s'est nourri de l'humanisme marxiste. Le problème, dans Karl Marx, il y a l'idée, disons, d'international et l'idée que tous les peuples sont égaux. Et c'est cet humanisme d'origine marxiste qui a nourri sa pensée, qui a en plus dépassé le marxisme et l'a intégré. Donc, voilà, à mon avis, un exemple de sagesse, de raison. Bien entendu, il a réussi en partie parce que, vous savez, tous ceux qui ne se régénèrent pas dégénèrent. Si le parti qui est issu de sa pensée se dégénère dans la corruption et dans d'autres choses, l'avenir n'est pas sûr, mais pas plus pour l'Afrique du Sud que pour le reste du monde, à nouveau dans une incertitude. Et comme dans la démocratie, si une démocratie ne se régénère pas, elle dégénère, comme elle est en train de dégénérer ici. Donc, c'est pour dire que la sagesse, c'est pas seulement l'union de la rationalité et de la passion et du sentiment, à commencer par l'amour, et l'amour, je dirais, que certains mettent en dérision, l'amour de l'humanité. C'est vrai que l'amour de l'humanité, en général, ça ne veut rien dire, il est abstrait. Il a de sens que si, par rapport à quelqu'un qui est absolument différent de soi par la culture, par l'ethnie, on est capable de le reconnaître à la fois comme semblable et différent de soi. Ce n'est pas dire qu'il faut l'embrasser sur les deux joues, ça veut dire le reconnaître. C'est ça, la reconnaissance de la dignité humaine chez autrui, dans sa différence, de sa culture, de sa singularité, mais dans sa ressemblance avec nous, parce qu'il est capable d'amour, de sentiments, comme nous-mêmes. Donc, vous avez ce problème qui est profondément, disons, de l'humanisme, c'est la capacité de reconnaître tout être humain dans sa valeur, dans son existence. Et aujourd'hui, vous savez, c'est par la reconnaissance qu'on obtient des résultats extraordinaires. J'ai vu dans des favelas de Rio de Janeiro ou bien
à Medellín en Colombie, on a des gosses qui étaient voués à la délinquance juvénile, on les habille dans une grande maison de culture, dans la favelle même, avec pas seulement l'éducation normale et l'informatique, mais aussi la musique, le chant, le sport. Mais ce n'est pas seulement tous ces ingrédients, mais ces gosses, ils sont reconnus, et la délinquance a chuté dès la première année. Donc, ça aussi, c'est de la sagesse, ça aussi, c'est de l'intelligence. Et je pense que, revenir à l'humanisme, nous avons besoin, pas seulement de savoir que nous sommes des êtres humains qui vivons une communauté de destin planétaire, qui avons tous quelque chose en commun, et tous des différences aussi, terme d'unité dans la diversité. Il faut sentir aussi que l'on fait partie de l'aventure humaine, qui est une aventure inconnue, et on ne sait pas où elle va. Qu'on est une partie, une parcelle de cette aventure incroyable, parce qu'elle est incroyable dès la préhistoire, elle est incroyable dès l'Antiquité, elle est incroyable dès la deuxième, dès les temps modernes. Personne n'aurait pu prévoir ce qui peut arriver. Nous vivons dans l'incertain, et la sagesse, c'est d'affronter l'incertitude, d'être capable de l'affronter. La sagesse, c'est d'être capable de comprendre autrui. Voilà, à mon avis, quels sont les ingrédients d'une sagesse actuelle, contemporaine.